Le tout conte que sauve la forêt. Un jour, un terrible feu dévaste la superbe forêt. Le toucan se rend vite à la rivière, prend un couteau dans son bec, l'emprisonne et s'en va la verser au-dessus de la forêt. Puis, très vite, il repart vers la rivière en prend une autre goutte pour la verser sur le feu, en disant: أنا هو طائر توكان، أعيش في الغابات الاستوائية، أتميز بمنقاري الكبير والملون، أعيش في الأشجار المجوفة، فهل سأسمح للحريق أن يقضي على الغابة ويحرقها؟ Tout à coup, du haut d'un arbre, un ouistiti appelle l'oiseau. Hé, hey, toucan! Ah, tu crois vraiment que tu peux éteindre le feu tout seul avec tes gouttes d'eau? Tu ne connais pas le proverbe qui dit que l'union fait la force? Merci, mon ami, pour tes conseils. Mais au moins, je fais ma part. Je vais voir ce que je peux faire. Quelques instants plus tard, un vent violent se lève et sème partout des étincelles, propageant rapidement le feu. Effrayé, Ouistiti demande aux animaux de prendre la fuite et de se mettre à l'abri. Vite, vite, mes amis, prenez la fuite, dépêchez-vous de ce côté et mettez-vous à l'abri du feu. Cependant, le toucan ne se décourage pas. Malgré les brûlures, il persévère dans ses efforts. Tout épuisé, il se perd sur un rocher et commence à réfléchir pour trouver une solution. Voyons, il faut que je me concentre. Voilà, j'ai trouvé. Je vais chercher tous les toucans et les toucanés. Seul, je serai inefficace. Touka file alerter ses confrères. Au secours, alerte mes confrères. Venez vite pour éteindre le feu et sauver la forêt. Sitôt dit, sitôt fait. Voilà du renfort, soupire bientôt le toucan. Derrière lui, un rang de toucan le suit. Dans la rivière des becs, ouvert, capte l'eau le plus largement possible. Petit à petit, le feu se stabilise. Puis faiblit jusqu'enfin la dernière brindille s'éteint. Le travail achevé, les toucans épuisés se prélassent sur les rochers et regardent les animaux un à un revenir dans la forêt. Ne croyant pas ses yeux, le Ouistiti félicite les toucans et les remercie. Merci, mes chers amis, car on a pu sauver la forêt et les animaux. C'est ainsi que les toucans deviennent pompiers et se montrent toujours prêts à aider les habitants des forêts avoisinantes. Qui les brûlait, c'est son
من خلال هذه القصة تعلمنا أنه في التعاون والاتحاد بركة وقدرة على إنجاز المستحيل.